plus en plus de petites télés, malheureusement, mais avant c'était surtout sur des grands écrans qu'on travaillait. En bas de cet écran, donc, il y a une espèce de bande lumineuse sur laquelle défile un texte, voilà, et on arrive comme des fleurs pour lire ce texte, et la gymnastique consiste à la fois à lire le texte et essayer de voir ce qui se passe juste au-dessus de l'image, et on fait des allers et retours incessants, donc dans le jargon on dit monter à l'image, pour essayer... Ah, c'est ça. C'est ça. Ah ben voilà. C'est un grand professionnel que j'apprends ça ce soir. Et en fait, voilà, c'est effectivement une gymnastique passée de ce texte qui est la plupart du temps anticipé. Il faut qu'on le voit venir là de la droite en se disant, oh, ça va être à ce moment-là précis qu'il faut que je débite ma tirade. Et en même temps, avoir un petit œil sur les labiales, l'œil aussi, parce que souvent on nous parle de l'œil des personnages. Il ne faut pas se focaliser sur la bouche parce que pas mal de choses passent par l'expression, un regard, et ça peut nous aider aussi à interpréter. Donc, et on est dans ce petit studio, derrière une barre qui nous empêche de nous approcher trop près d'un micro pour éviter des problèmes de ce style. Voilà. Et la plupart du temps, comme Philippe l'a fait remarquer, ça se passe dans la joie et la bonne humeur. Voilà. La plupart du temps, mais bon, après on vous révélera. Il y a eu des morts sur le plateau. D'accord. J'ai deux noms. Après, moi aussi, j'avais ma question.